Donc, nous devons suivre leur politique. Ça peut nous sauver. Bref. Secondo, nous sommes ici dans le territoire marocain pour nous chercher. Parce que, vous voyez, notre collaborateur qui est ici, Moula Youssef, tout ce qui se passe ici comme l'activité, Moula Youssef, ils vont nous faire appel. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que le Maroc nous aime. Ils aiment les subsahariens. Dans tous les pays arabes, ils nous rejettent. Mais le Maroc nous a pris comme leur propre fils. Parce que le Maroc, c'est un pays africain. Ils se considèrent comme les Africains aussi. Vous voyez? Donc, maintenant, vous voyez les Marocains, les subsahariens. Marie, souvent il y a des subsahariens qui prennent les filles marocaines en mariage, il y en a beaucoup ici, il y en a assez. Vous voyez? Donc, Maroc, c'est un pays vraiment, comment je peux qualifier? C'est un pays de l'hospitalité par excellence. Maroc nous a accepté sur beaucoup de facteurs. Vous voyez? Donc, l'association ANOA, qui sont devant vous ici comme ça, toutes les activités qu'ils engagent, ils veulent que les subsahariens en bénéficient. Vous voyez, quand on vous a appelé ici pour assister à cette auguste assemblée ici ce matin, c'est pour vous informer beaucoup de choses et vous présenter le document sur l'indépendance du Maroc. Donc, vous allez écouter ce qu'ils vont vous lire, quelques passages, pour que vous compreniez comment le Maroc a eu leur indépendance. Qu'est-ce que le Maroc veut? Où le Maroc veut partir? Voilà. C'est ça, quand je prends la parole, ce n'est pas pour m'aventurer beaucoup dans le débat. Donc, c'est ça. Merci.